Salut tout le monde! Alors donc du coup, deuxième vidéo pour parler de la saison 2 des Contes du Hasard du domaine d'Alcozalbour. Vous avez eu une précédente vidéo qui parlait plus de la méta-histoire, de tout ce qui était autour des Contes du Hasard et tout l'univers tout simplement qu'il y a autour, et aussi un peu du contenu. Donc là, c'est la deuxième vidéo. Alors pour préciser plusieurs petites choses, je tourne cette vidéo plus d'un mois plus tard de la vidéo méta-histoire que j'avais tournée en avance. En pleine écriture d'ailleurs de la partie 1 de l'acte 4. cette donc vidéo-là, j'ai tourné un mois plus tard, donc chronologiquement après. Je vous la sortirai aussi d'ailleurs après, ça vous l'avez vu, la vidéo méta-histoire, hein, pour moi, dans les propos que je vais dire là, c'est plus logique. Cette vidéo-là, je la tourne donc, je viens à peine de terminer, il me reste juste un tirage au sort à faire pour la partie 2 de l'acte 4. Alors là, c'est marrant parce que vous savez comment Phélan termine, comment l'aventure de Phélan termine. Sauf que moi, je ne l'ai pas encore tiré au sort. Donc, du coup, ça fait une sorte de décalage assez intéressant. Parce que lorsque voilà, je vous sortirai cette vidéo-là, vous le saurez. Sauf que moi, là, à l'heure actuelle, je ne le sais pas encore. Il y a ça, et également, du coup, je pense que cette vidéo sera bien plus courte que la précédente. Et du coup, elle est déjà un peu mieux. J'ai mis un setup bien différent. La dernière fois, j'avais pas ma caméra, j'étais pas chez moi, des lumières un peu dégueulasses. J'avais juste envie de parler la dernière fois. Puis en plus, j'avais rajouté après un truc parce qu'il y avait une idée qui m'était venue. Là, voilà, c'est dit, bon, je vais faire ça un peu mieux déjà. Et donc, du coup, cette vidéo, ça va pas parler de l'histoire ni de tout ce qu'il y a autour. Peut-être brièvement pour certains trucs. J'ai plus vous parler du projet en lui-même et de comment je me suis tout simplement débrouillé. Parce que je tenais à le faire, avant tout pour moi aussi, pour un petit peu là synthétiser et répertorier de comment comment j'ai fait tout simplement, comment voilà, comment je me suis établi, et puis bah, aussi pour vous, pour voir un peu le parcours que j'ai fait et la différence notable entre la saison 1 et la saison 2. C'est vraiment ça le point que je veux être clair, être transparent dans un sens. Voilà, c'est un peu une sorte de transparence de ce que je vais vous dire, de comment j'ai procédé dans la saison 1. Comme je l'avais dit d'ailleurs dans les vidéos de présentation, hein, je vais un petit peu faire écho par rapport à ça. La saison 1, c'était les tirages au sort qui influençaient l'histoire. J'avais vu aventure, les rediff aventures du joueur du grenier sur le bazar du grenier. Ça m'avait beaucoup plu. Je me disais, ah, j'aimerais bien faire pareil avec mes petites histoires, mais le truc c'est que je connais pas trop les jeux de rôle, et puis je connais personne qui en fait dans mon entourage. Enfin, j'en connais, mais pas que je connais, je dirais, physiquement. Et ça, je fais, bon, du coup, j'ai trouvé enfin, je me demandais qu'est-ce que j'allais pouvoir faire pour adapter ça. J'ai trouvé l'idée de faire des tirages au sort, ça m'avait bien plu. Donc, du coup, je m'étais lancé, voilà, en un mois et demi, j'avais fait, voilà, les Contes du Hasard, le temps de revenir. Ça s'est fait assez rapidement. Et c'était, voilà, peu de temps après, comme je l'ai déjà dit tout ça, hein, mais c'est un peu pour résumer. C'était que peu de temps après où l'univers que j'avais lancé dans la saison 1 s'est assez adapté à l'univers que j'avais déjà établi. Et que c'était facile pour moi, voilà, de faire des raccourcis, faire des clins d'œil, etc. Pour moi, c'était bien plus facile et plus amusant de faire de cette manière. Mais je savais pas comment on allait terminer la saison 1. C'était les tirages au sort qui, petit à petit, allaient former l'histoire, voilà, qui allaient la cerner. J'avais, voilà, des éléments d'intrigue, j'avais des idées, mais je ne savais pas comment les mettre vraiment en œuvre. Et c'est vraiment les tirages au sort qui ont affiné au fur et à mesure de l'histoire celle-ci pour son dénouement. À la différence donc de la saison 2, le domaine d'Alcozalbour, l'histoire, je savais déjà comment ça allait se terminer. Je savais vraiment déjà, enfin, je savais vraiment comment ça allait se terminer. À la différence que là, les tirages au sort allaient, enfin, toujours rythmer l'histoire, mais juste prendre des embranchements différents pour arriver à la fin. Là où la saison 1, c'était l'inverse, où les tirages au sort influençaient l'histoire, là, c'est l'histoire qui influence les tirages au sort. Je savais pertinemment quelles étaient, pardon, les intentions d'Alcozalbour, de Balzac, de Fest. Je ne savais pas forcément les personnalités de nos quatre personnages, mais de quatre personnages. Mais dans l'idée, voilà, je savais un peu qu'est-ce qui allait se passer à la fin de l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4. Voilà, je savais un petit peu comment je voulais faire. J'avais des scènes en tête que je voulais à tout prix faire. J'avais réfléchi assez longuement par rapport à ça. Donc je savais comment ça allait se dérouler. À la différence que, bah, par exemple, je savais pas qui était le descendant de celui qui avait maudit Alcozalbour. Je savais pas qui se faisait bouffer par le. Enfin, qui meurt dans l'acte. La fin de l'acte 2, qui se fait bouffer par le caveau à la fin. Bref, c'est vraiment des. Des fois, c'était vraiment uniquement des noms qui changeaient. Alors, bien sûr, après,
peut y avoir des embranchements différents, mais qui menaient au même endroit. Je prends là, du coup, vers l'exemple, si c'était Alcosa-Bourg, du coup, qui aurait dû être ôté du Boub à la place de Fest, ça devait être Fest à la base qui devait être ne plus être maudit. Balzac aurait toujours mis son couteau sous la gorge d'Alcosa-Bourg. Pour lui, il aurait toujours tranché la tête, sauf que Fest, bah, il serait tombé mort, quoi. Et, il aurait été, voilà, il aurait été redevenu mortel. Et puis la Ratrone aurait fait effet sur lui, il serait tombé inconscient, et Balzac aurait tranché sa gorge facilement. J'ai réussi, et du coup ça m'a fait plus longuement d'ailleurs, c'est pour ça que l'acte 4 était un petit peu plus long, parce que j'avais pas forcément tout prévu. C'était pas aussi pour ça qu'il y a eu plus de dialogues, plus d'échanges, et qui ont fait que l'épisode était bien plus long. Bien bien plus long, j'y viens juste après. Donc voilà, c'était vraiment pour... Voilà, la manière comment j'ai procédé, c'était voulu. Je savais comment ça allait se terminer, mais je ne savais pas de quelle manière à certains endroits. Je savais déjà qu'à la fin, ça allait se terminer comme ça, de près ou de loin. C'était clairement voulu. Et pour une saison 3, que j'ai déjà évoquée, j'en reparle là brièvement, qui va arriver par contre bien plus tard. Ça paraît, j'y reviens plus tard. J'y reviens plus tard dans la vidéo. Je vais essayer d'équilibrer entre un univers qui influence beaucoup l'histoire, là comme la saison 2, mais aussi avec des tirages au sort, peut-être un peu plus déterminant. Pour rythmer l'histoire et là, de manière un peu plus spontanée, pour la redonner un petit peu de spontanéité à la saison. J'ai fait voilà, deux formules. La formule saison 1, un peu d'essai en quelque sorte, où voilà, je fais un tirage au sort puis je découvre ce qui se passe, et la saison 2 où le tirage au sort va influencer certes l'histoire, mais pas modifier ses grandes lignes. Où est-ce que je voulais en venir? Oui. Donc du coup, voilà, vraiment pour ça, je voulais vraiment être clair. Le projet, bah, il a duré 5 fois plus longtemps que la saison 1, tout simplement, qui elle s'était faite en un mois et demi. J'avais vraiment beaucoup de choses. Voilà, je l'ai fait vraiment d'un seul coup. C'était pour ça que j'ai fait beaucoup d'erreurs de montage ou même de script, de réalisation. Parce que je l'ai fait assez rapidement. Là, j'ai étalé ça sur 5, voire même 6 mois. Parce que bon, j'avais démarré le projet en mai, puis c'est commencé finalement qu'en juin. Là, si tout va bien, la partie 2 était sortie en mois de novembre, parce que là, comme je vous dis, j'ai pas, il me reste enfin, quelques lignes à écrire, puis après, donc, du coup, j'ai l'enregistrement audio et le montage vidéo à faire. Mais ça, c'est le plus rapide. Hein. Quand j'ai fini le script, j'ai fait 50, voire 70% du taf. Et le reste, ça se fait assez rapidement. Et du coup, ça a pris bien plus de temps. Déjà, parce que l'histoire, je voulais... creuser un peu plus, je voulais voilà, mettre plus de dialogue, plus de profondeur dans les personnages, dans les dialogues et même dans les descriptions. Je voulais que ce soit un peu plus complet et complexe dans un certain sens, qu'il y ait plus de dimension, que c'était pas juste voilà, aller dans un temple chercher un trésor et puis voilà, ils combattent un troll et puis un monstre, le boss final, puis à la fin vous avez un twist, je dirais assez simple. Je voulais pas voilà, ce format-là, je voulais un truc un peu plus travaillé. Parce que du coup, l'histoire là du domaine d'Alcosa-Bourg, c'était une idée que j'avais depuis longtemps, depuis au moins début 2016, comme plein d'autres idées, sauf que cette idée-là, je l'avais un peu plus concrète, un peu plus concrètement. J'avais plus, voilà, j'avais des images, j'avais même des musiques. Voilà. Bon, la musique d'Alcosa-Bourg, par exemple, que j'aime beaucoup, lorsqu'il arrive dans l'acte 4, je l'ai trouvé bien plus tard, mais j'ai vraiment voilà, plusieurs éléments mis ensemble qui allaient bien. J'ai vraiment des idées d'intrigue, je me suis dit, pour cette histoire-là. Que je voulais à tout prix la faire, et je me suis vite rendu compte que c'était un bon support de la faire, donc du coup dans le format des contes du hasard, parce que je voulais vraiment la faire rapidement, mais je savais pas de quel format, parce que voilà, des histoires dans cet univers-là, même dans d'autres univers, d'un autre genre, j'en ai plein, sauf que c'est juste des idées des fois c'est juste des images, enfin, des fois c'est voilà, c'est que des bribes en quelque sorte, c'était que des ébauches, et là j'avais un peu pareil, mais un peu plus concret. Et je me suis dit, voilà, y a un truc à faire, ça me passionnait vraiment cette histoire-là de quelqu'un de maudit dans son manoir, dans un désert, avec l'ambiance et tout, que j'espère que j'ai bien réussi à retranscrire. Je voulais vraiment voilà, me travailler là-dessus, et le support des contes du hasard était vraiment parfait pour développer ça en vidéo. Du coup, ça, c'est arrivé là, en début 2016, à peu près, cette idée-là. Mais à l'époque, j'ai pas forcément tant ni de motivation de m'y mettre. Donc c'est arrivé qu'en mai, où là la vidéo présentation des contes du hasard, je l'avais publiée, dans l'objectif de sortir ça à la fin mai, début juin. Mais il est arrivé, alors ça je l'avais dit, mais pas forcément en vidéo, enfin, je l'avais dit plus tard, mais bref, que quelqu'un me présente, donc Nathan du coup, me demande, enfin me demande, non, me sollicite
Pardon, je le sollicite parce qu'il m'a pré... il m'a... il a bien voulu faire des illustrations pour ses contes du hasard, voilà, illustrer les quatre personnages, chose que je n'avais pas dans la saison 1. Je trouve qu'il y a quand même par contre du coup une nette amélioration entre la saison 1 et la saison 2, sur tous les points simplement, de manière qualité audio, même vidéo, puis même dans le script. Et j'en suis plutôt, plutôt fier du résultat de la saison 2. Et du coup là, donc Nathan était venu me voir, il m'a dit ouais, je veux bien faire les illustrations. Et moi je fais bah écoute, ça me... c'est génial quoi. Je peux pas trouver des illustrations de Salomé, d'Anne Fellan et de Jedeor sur internet, alors le mieux c'est de les faire soi-même, hein, de les dessiner soi-même. Et donc quelqu'un qui du coup aime bien dessiner et du coup a du talent, enfin qui sait dessiner tout simplement, qui aime bien et qui sait dessiner, bah moi je fais ouais, ça me plaît quoi. Et je voulais pas non plus le presser. Je voulais que ça soit bien fait, enfin, faut que les choses soient faites comme il faut. Ce qui fait que du coup, ça a pris on va dire à peu près un mois pour qu'il fasse les illustrations, les quatre personnages. Et ça a retardé tout simplement. Là, c'est ça. Bon, je lui en tire absolument pas rigueur. Hein, voilà, j'avais pas de délai particulier, pas de cahier des charges ou voilà, de délai à respecter. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'avais pas pris ça en compte. Je m'étais pas dit que quelqu'un allait me proposer de faire des dessins, des illustrations pour moi. Du coup, là, tout le mois de juin, bah, je crois qu'il n'y a rien eu, tout simplement. Alors qu'en mai, j'avais dit que ça devait arriver rapidement. Ce qui fait que du coup, moi, l'acte 1, j'avais tout écrit. Il manquait plus que les illustrations à mettre au montage. J'avais fait l'acte 2 parce que pareil, j'avais tout écrit. J'avais fait un enregistrement audio. Pareil, le montage, il manquait que quelques illustrations. Et j'ai pu sortir ça qu'en juillet. Lorsque du coup j'avais lorsqu'il m'avait fait faire les illustrations. D'ailleurs les deux actes, l'acte 1 et l'acte 2, sont sortis à quelques 2 semaines d'intervalle, je crois, assez rapidement, parce que bah, je les avais déjà fait. Il manquait voilà juste un élément. Ensuite, et donc ça je l'avais parlé à l'occasion. En juillet, fin juillet, début août, j'avais les concours Necronomicon Globtopus, j'avais le concours aussi Imaginarium de Jadencore. Donc ça, c'était voilà, j'avais un délai à respecter, donc je m'étais mis à fond là-dessus. J'avais mis une petite pause justement sur les contes du hasard pour l'acte 3. Donc je m'étais mis à faire ça. Voilà, c'était en juillet, je me souviens, fin juillet, parce que voilà, il fallait rendre ça fin juillet. Donc je me souviens, j'avais fait ça et du coup j'avais pris une pause pour les contes du hasard l'acte 3. En août, j'ai fait le contrat les vidéos interactives. Donc ça, pareil, je m'y suis mis comme il faut et ça m'a pris quand même. Pas dire beaucoup de temps, mais il fallait beaucoup d'énergie. Du coup, en août, je me suis réservé à ça. Et l'acte 3, il est sorti en septembre, donc je m'y suis remis tranquillement dessus. Et l'acte 4, lui, est sorti en octobre, donc. Et l'acte 4, partie 2, si tout va bien, il est sorti la fin novembre. Les deux premiers actes, ça va, j'ai pas eu de soucis. L'acte 3, c'est, je m'étais dit, ok, voilà, je vais le sortir après avoir fait mes deux petits concours, plus mon projet de vidéo interactive. Ça a été. L'acte 4, par contre, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dessus. Alors déjà, parce que j'ai eu des petits soucis d'un autre ordre, mais voilà, c'est pas le sujet. Donc j'avais pas trop l'envie ni le temps de me lancer dessus. Et surtout que je savais que voilà, ça va être l'épisode voilà, de dénouement, la grosse révélation, le gros épisode voilà, que j'attendais vraiment à faire, la partie 2 n'étant que l'épilogue. Je savais que voilà, la partie 1 de l'acte 4 allait être très importante, donc je voulais pas trop bâcler. Et au contraire, je trouve que j'ai pas bâclé puisque bah, 55 minutes, c'est assez conséquent. Et j'ai vraiment tout donné là-dessus. J'ai l'écriture, je l'ai fait au moins 3 fois. Puis même des fois, bah, la musique du coup d'Alcazarbourg, des fois j'ai fait des petites recherches pour trouver les musiques adéquates, trouver les images, faire du montage un petit peu. Voilà, donc tout ça, ça rentrait un petit peu en jeu du script. Enfin voilà, ça rentre dans le travail, je dirais. Et ça m'a mis du temps. Et surtout, voilà, il fallait vraiment que je me bouge, il fallait que je me motive. Parce que je savais que c'était important à faire, imposant comme travail, mais aussi important à faire, du coup il fallait vraiment que je me motive un petit peu. Mais quand je le faisais, quand je terminais ma session d'écriture, j'étais quand même très très content. Et le résultat, j'étais vraiment très très fier. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vues dessus, il y a une dizaine de vues à tout casser. Hein. Là, j'ai pas été voir, mais bon, la dernière fois que j'étais voir, c'était ça. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais je suis vraiment très très fier du résultat que j'ai fait. Et je suis très fier de l'amélioration nette. Entre la saison 1 et la saison 2, clairement. Ça c'est cool. Ça, j'en suis plutôt content. Et voilà, l'acte 4, partie 1, c'était quelque chose, quoi. Et quand je l'ai sorti, j'étais bien bien content. Je l'ai même fait une petite vidéo teaser, tellement je me suis dit, il y a tous les éléments là-dedans, là, dénouement et tout, révélation, même. C'était vraiment l'épisode important. Donc j'étais quand même très très content de celui-là. La partie 2 était bien plus facile à écrire.
Je suis moins satisfait du contenu, de manière qualitative de l'écriture, tout simplement. Un peu moins inspiré. Je pense qu'en fait, je suis surtout venu à bout de ce que j'avais à dire là-dessus. Étant donné que l'épisode 2, la partie 2 plutôt, c'est voilà, c'est l'épilogue. Donc, bon, je me suis. Je m'y suis mis voilà, peu de temps après, mine de rien, la partie 1, mais je savais que ça allait moins avoir d'importance que la partie 1. Ça, c'était plus facile à écrire. L'autre, elle faisait 15 pages, enfin, ça voulait rien dire. Bon, après, avec les dialogues, c'est vrai que ça rajoutait pas mal de durée, enfin, hein, beaucoup de pages du coup. Mais voilà, la partie 2 était bien plus facile à aller dessus, à écrire, parce que je savais tout simplement comment ça allait se terminer. Il fallait juste que je l'écrive, même si c'est vrai que je suis moins satisfait du résultat, mais bon, comparé à la partie 1 de l'acte 4, voilà, ça n'a rien à voir. Donc voilà un petit peu comment le projet, du coup, qui s'est étalé sur 5 mois, il a pris un petit retard de 1 mois, donc entre mai-juin, et puis là, fin novembre, tout se termine, voilà, ça a pris 5 mois, ou presque 6 mois en tout. C'était assez imposant, c'est vraiment un projet sur la durée. Là où par exemple le contrat c'était vraiment assez court mais fastidieux, parce qu'il fallait que je le fasse, c'était pas long et compliqué à faire, mais il fallait que je le fasse d'un coup. Là c'était loin d'être fastidieux, c'était très intéressant, mais voilà, c'était vraiment un projet qui devait s'étaler sur la durée. Et bah, ça me plaît beaucoup, mais oula, pardon, c'était assez fatigant. Donc là je pense qu'après quand j'aurai terminé, je vais faire un bon break. Je reviendrai dessus pour la saison 3 du coup. Ça sera en 2017, clairement. Je reviendrai sur cet univers-là, qui est pour moi mon univers préféré parmi tous ceux que je peux avoir. Mais voilà, ce sera pas demain la veille que je me mettrai dessus. Peut-être plus tôt que je n'y pense, que je n'y pense, parce que mine de rien, la saison 2, bah, ça trottait dans ma tête, et puis bah, il a fallu que je lance pour que pour que je m'y mette comme il faut. Donc la saison 3, bah, j'ai déjà quelques idées, ça va venir, ça va se concrétiser. Donc mine de rien. Et du coup, ouais, la saison 3, pour en parler un petit peu, je vais faire un mix entre la saison 1 et la saison 2, dans le format, c'est-à-dire que je vais voilà, faire revenir un peu le format des tirages au sort qui sont déterminants, tout en ayant un univers qui est beaucoup influencé, une histoire qui est beaucoup influencée, pardon. J'ai déjà des idées d'intrigue, de personnages, notamment Sencha, pardon, j'en avais déjà parlé, donc du coup dans la vidéo qui est juste avant. J'ai déjà voilà, quelques idées d'intrigue. Mais je sais pas comment ça va se terminer. Je sais voilà, qu'il y a peut-être un élément ou deux qui peuvent être intéressants à exploiter, mais je sais pas trop où est-ce que ça va aller. Et je veux rester un peu à ce stade-là, de ne pas trop savoir, et de laisser un peu la magie des tirages au sort faire un peu son travail. Et du coup, bah voilà, au fur et à mesure de l'écriture, voilà, que je trouve de nouvelles idées. Enfin, c'était un peu la manière dont je procédais dans la saison 1. Là où du coup, j'en ai parlé assez suffisamment, mais là apparemment. Terminer mon explication, là où la saison 2 c'était plutôt l'inverse. Je savais comment ça allait se terminer, j'avais une histoire à raconter, et le moyen, le format, c'était voilà, c'était un prétexte. J'aurais très bien pu faire mon histoire sans les tirages au sort. J'aurais très bien pu choisir les scénarios, un des scénarios préalablement choisis. J'aurais limite ne pas pris 4 personnages avec des personnalités différentes. Enfin voilà, j'aurais pu voilà, faire. Une histoire sans tirage au sort, sans format particulier, pour la raconter, donc ça aurait peut-être plus court, pas forcément, ça aurait été différent, mais le résultat aurait été le même en fait, l'histoire aurait été la même. Voilà, vraiment se dire que le tirage au sort c'était une manière de rythmer l'histoire, et juste voilà pour changer un nom à quelques endroits particuliers, ou quelques événements, quelques éléments d'événements, à quelques moments de l'histoire. Mais j'aurais très bien pu voilà, raconter l'histoire dans un autre format, dans un format one shot, peut-être avec voilà, différentes parties, pour mettre des petits cliffhangers, comme j'ai pu le faire, et ça c'était sympa à faire, je trouve. Mais l'histoire aurait été la même. Voilà, cette vidéo quand même est assez longue, mine de rien. Mais voilà, je tenais vraiment à parler de comment j'ai procédé, et de comment le projet s'est déroulé, comparé voilà, à la saison 1. Je sais plus si j'ai un truc à dire. N'hésitez pas à vous de votre côté si vous avez des questions par rapport à l'histoire de la saison 2 ou même ce qui entoure, des trucs que vous n'avez pas forcément compris ou des trucs que vous voulez en savoir plus. Moi, ça m'intéresserait aussi de développer un peu mon univers. Juste en mettant quelques lignes, hein, sans forcément tout vous raconter, quoi, mais voilà, vous donner des pistes de réflexion. Je dirais voilà des petits indices.
ou aussi voilà dans le donc comment j'ai procédé, si vous avez trouvé ça mieux niveau qualité, format, enfin bref, toutes les suggestions pardon que vous pouvez me faire, ça m'intéresse clairement. Donc n'hésitez pas voilà, à commenter et puis voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Pour la suite, bah, je ferai sans doute une vidéo mise à jour pour parler des projets à suivre. Mais voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et peut-être même les deux vidéos pour celles et ceux qui étaient courageux de regarder les deux vidéos. Désolé d'ailleurs pour la précédente, hein, je l'avais un peu fait à l'arrache. Celle-là était un petit peu mieux à regarder. Je vous remercie en tout cas et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!